Yo la fois gros bonjour à tout le monde, merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous allons inviter suivre quelques moments forts dans la télévision nationale d'Haïti qui c'est télévision l'état pays. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes encore veut remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, li met positif, li met négatif ici dans Bombado Police équipe TV Caraïbes là. Nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous et puis vous capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbes là et ça t'a impressionné nous sous t'a aider nous grandir chaîne là et bien nous pas perdre temps n'a commencé coulier Nous avons dit tout que gagner en pile l'autre expérience que télévision nationale d'Haïti fait pendant 40 ans qu'il gagne depuis l'existé. Les expériences qui marquaient l'histoire de la télévision nationale d'Haïti, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique. Et nous avons d'ailleurs, c'est en pile fois nous gagner opportunité de faire ça au niveau de la télévision nationale d'Haïti, recevoir ou bien permettre que téléspectateurs, téléspectatrices vivent des présidents élus qui a prêté serment. Nous gagnons 4 présidents qui prêtaient serment que je dis à dans le cadre d'émission spéciale dans l'occasion 40e anniversaire de la télévision nationale là. Nous vivons vivio. 4-40 justement. 4 × 10, 40. TNH fait 10 sur 10. Définitivement. Justement. C'est l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président René Garcia Préval, l'ancien président Michel-Joseph Martelly et l'actuel président de la République, Jovenel Moïse. Suivant. Je jure devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Moi, c'est monté devant bon Dieu et devant pays. Je obéis tout ça qui est dans la Constitution et tout ça qui est dans la loi République d'Haïti. Et je fais tout le monde obéir, même Jean tout. Je respecte tout droit que les haïtiens ont gagné. Et je fais tout le monde respecter, même Jean tout. Je fais tout ça que je suis capable. Pour le peuple d'Haïti toujours été un grand peuple, pour lui toujours mettre la caille, et pour lui pas jamais perdre des petits morceaux dans tes pays. La nation d'observer et de faire observer finalement la Constitution et les lois de la République. De respecter et de faire respecter les lois du peuple haïtien. De travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Devant Dieu et devant la nation, d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les lois du peuple haïtien, de travailler à la grandeur de la patrie, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Une après l'autre prestation serment et René Préval, Jean-Bertrand Aristide, Michel-Joseph Martelly et Jovenel Moïse comme président de la République. Des moments forts que la télévision nationale d'Haïti était capable
représenter pour téléspectateurs, téléspectatrices, télévision l'État, des moments forts que télévision nationale pas jam suspend capter pour te permettre que nous quimbayons pour la postérité après 40 ans. Alors, et 40 ans après, Serge Ngo, c'est la continuer capter les images pour permettre que Timon Kamvini après eux ait accès à eux. Absolument. Dans la prestation serment, président Matelia, vous avez un peu acheté jouer en pilade. Pas de bac, t'es bac à out. Quand on a pris ça, ce sont les faits, même dans la législation, ça, on fait direct avec l'espoir d'amnistie, pour TNH. Quand on a pris ça, on va le faire pour le voter senior, il y a la caout. Et c'était le projecteur TNH là, que nous venons d'abgader, qui était clé, qui était facilité, le président Matéli, pour voter senior, tout ça. Voilà, TNH, t'es là. Alors, TNH, à côté de présence, si vous voulez faire ça, faciliter événement, exactement. S'il le faut, Télévision Nationale d'Haïti, lui, assumer responsabilité. Mais ma pose là, c'est pour dire, il y a un aspect direct là. Vous avez fait direct, vous n'avez pas dépendre de EDH. Vous n'avez pas de courant, vous n'avez fait direct, la TNH marche avec Général Crispal. La TNH, vous n'avez pas de courant direct, vous n'avez pas de courant direct, vous n'avez pas de courant. C'est parce que technicien qui ont une valeur ça fait à ce moment vous mettez nous au point parfait c'est ça justement et moment privé pour nous permettre de faire une émission spéciale pour 40 ans vous voyez une album parce que nous sommes connectés là justement quand vous regardez l'autre image vous avez plus l'image de 40 ans l'image va être disponible sous TNH Tube à partir de 15 janvier lancement officiel plateforme ça que Télévision Nationale d'Haïti a mis disponible pour audience LIA pour tout le monde qui a envie d'aller faire un coup d'œil sur l'histoire pour regarder qui ça Télévision Nationale d'Haïti a des chances captées des moments que notre politique là t'es à vivre que télévision a capté notre musique haïtien cap vive et que télévision a été capté tout contenu ça a disponible sous plateforme Télévision Nationale d'Haïti a lancé le 15 janvier prochain qui est le TNH Tube avec un pile de projets encore dans l'occasion célébration 40e anniversaire Télévision Nationale d'Haïti. Mais que ni on va pas aller voir dire comment on fait là parce que ou t'as posé question à soi, je ne sais pas si tu as dit que c'est un peu plus tard. Il va déranger, son histoire qui est assez intéressante, puisque DG Gamal est appelé dit tout à l'heure, moi c'est peut-être une jeune qui a une chance d'entrer dans la télévision nationale d'Haïti sans. J'ai une perception dans la rue, sans marin à parrain. Parce que moi, justement, moi, j'étais un bon jeune qui participait dans un programme qui était le PIGE, programme d'initiation des jeunes à l'emploi, que sous administration M. Michel-Joseph Martelly, qui était initié dans des universités, et puis moi-même, j'étais à peine terminé cycle d'études dans l'université épiscopale, j'ai préparé mes mémoires pour que je me fasse soutenance, et puis l'université épiscopale, t'es soumettre nom comme monde qui fait communication dans quatre programmes ça et t'es gagné ministère de l'économie et des finances vous pouvez t'es gagné l'autre ministère tout quitter à prendre en charge pour placer jeune en fonction de domaine de compétition et puis dans quatre ça on t'es voyé moi dans un premier temps dans World Vision dans un second temps dans la télévision nationale d'Haïti mais comme passionné de médias qui déjà t'es fait radio dans le pays font des nègres et qui passait plusieurs stations radio. Donc, moi, j'étais vraiment rapidement tourné vers la télévision nationale d'Haïti, même s'il faut m'admettre que il y a un pilote facteur qui était justifié le choix. Non. Proximité, et économiquement, puis garantie, parce que aller, je vais là chaque matin, sous Delma, c'était pas plus difficile, donc j'ai choisi la télévision. Et dès qu'on garantit tout, que si il y a quelqu'un qui sous ma compétence, à l'issue de stage ça que nous avons fait, il va pas vous aller dans la télévision nationale d'Haïti. Aventure là, commencé en juillet 2015 et je dis à ça fait pratiquement 5 ans déjà au niveau de la télévision nationale d'Haïti et pas qu'à dire regrette rien par rapport à l'expérience que m'a fait on apprend un peu de chaque monde qui passait devant moi et on critique toujours moi ici et comme quoi et m'a suivi directeur information on parle un peu sur plateau monsieur plein un peu pour causer ça et il y a un moment qui toujours marqué me songer cyclone et un cyclone et
c'était Isaac. Donc au cyclone qui a passé, nous fait 13 heures d'affilée qu'un des populations allait, puisque on songeait les ça, l'État a un objectif zéro mort, et la télévision nationale d'Haïti, dans son souci d'accompagner la population dans un moment difficile, qui c'est une mission tout, nous avons baissé nos obligations pour nous quitter la population informée, nous avons correspondant de tous côtés dans le pays et le Sahara, moi-même avec Sergio Lenor, avec des envoyés qui étaient sortis dans l'unité et météorologique nationale, et ils étaient venus justement pour que nous capables de permettre que nous quitter la population informée, les Sahara, nous fait 13 heures de temps d'affilée d'antenne. Et je crois que nous parlons de nous, si par exemple notre corps dans ça, dans la télévision en Haïti, que les gens qui quittent en antenne pendant 13 heures de temps, donc nous pensons que ça c'est une expérience qui marque ma pile. Et nous pensons que nous des expériences pour continuer à vivre avec la télévision nationale d'Haïti, parce que dans 40 ans, c'est une personnalité qui marque l'histoire de la télévision que nous avons fait pour la vie pour présenter. Justement, 80 ans déjà, c'est que la vérité pour que vous parlez de nous comme monde qui marque l'histoire de la télévision nationale d'Haïti. Néanmoins, nous avons pris le travail pour faire pour que. Mais chaque monde qui l'a nous a dit pour porter et qui va parler de l'histoire de la télévision et qui va arrêter pour le monde qui a bien appris et qui va faire que 40 ans après, on ne peut pas parler de où. Justement. On ne peut parler de où en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça fait quoi que la génération qui l'a a une grosse responsabilité pour le travail, pour assurer que nous quittons la télévision qui puis bon, que ça nous monte journée. Mais pour ça fait, le directeur général a précisé, le député Caleb Degamo a parlé de lui, mais ces populations ont besoin d'accompagner nous. L'État a besoin d'un bon bouillon de partout et pour permettre que nous retenons la mission, nous faisons ça, nous le faisons. Et côté bien pour le matériel, capable de vivre, pour télévision, effectivement, j'ai pile mon quoi le souhaiter là, pour tourner une véritable télévision nationale là. Ouais, mal Jacmel, mal Jérémy, mal Okaï, mal Lagonav, nous jouons de TNH nous, et ça, et nous nous allons sentir. Parce que, vous savez, intéressant, leur parti, on va voir les États-Unis, ou le Canada, pour être des Haïtiens qui nostalgiques de TNH. Et n'importe qui, si vous êtes capable de vous donner un TNH soumis, ça va. Et vous êtes pour résoudre. Voilà, je crois que vraiment c'est une grande responsabilité pour que nous travaillons, nous fassions sûr que nous jouons une information qui est capable d'aider, d'être connecté à ce qui a passé. Là, quand même, j'ai une question en caravane, non, bon, qui quand même fait vague, hein, déjà, peut-être qu'on peut parler de ça. En pile, relou, hein, question en caravane, non. Et les gens qui m'ont demandé, peut-être que vous m'avez mis ça, vous m'avez fait une film. Nous avons fait un bon ingénieur. Un ingénieur, c'est accompagner l'État public, nous accompagner différentes directions du département au Cap Ferraille. C'est ça que nous faisons. Nous accompagnons le gouvernement, c'est le job, nous, c'est mission. Je me rappelle une fois, nous avons dit que 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 nous avons des critiques à ta chargée. C'est même j'ai entendu un tel discours président pour dire que chaque monde espère un domaine par eux. Le président a dit qu'ils vont côté, lui ou TNH, ils vont être côté de TNH, ils vont côté de TNH, mais c'est technique mieux. C'est technique mieux. On a des employés, nous déployons dans les points nécessaires. Et puis nous faisons l'aliment, nous avons un jeune travail, nous travaillons en équipe, et puis toute image vient de nous là, et puis nous avançons. Ça, c'est la même façon que vous voulez. Depuis que vous mettez en équipe, tout le est possible. Parfait. Alors, Kenny. Ouais, je vais faire marathon, environ 3 heures d'antenne pour une émission spéciale dans l'occasion 40e anniversaire de l'Église. Et vous avez le 4 décembre. Justement. Le 4 décembre, vous ne pouvez pas dormir généralement. Vous pouvez quitter le monde reposer pour que la soirée soit capable de rencontrer la rue. Et je vais le fêter. Justement, il a profité pour nous souhaiter à l'audience télévision nationale d'Haïti. Et une bonne fête, tout, puisque c'est fête, c'est garder télévision nationale d'Haïti, mais qui te rappelle tout que en pile fois télévision nationale d'Haïti garder tout, parce que en pile fois c'est réalité que nous projeter sous petit écran, justement il est capable de garder tête dans nous. Je souhaite un joyeux Noël tout à téléspectateurs, téléspectatrices, puisque j'en connais déjà traditionnellement la période ça, c'est moment pour souhaiter joyeux Noël, des vœux de paix, d'amour et d'allégresse, de joie à nous fanatiques télévision nationale d'Haïti, même si pour nous même utiliser, mais plutôt dit téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, monde qui croit que télévision nationale d'Haïti a fait un travail qui mérite pour que vous appréciez. Merci Serginho. Merci Kenny. Chaque fois d'une nouvelle, comme toujours, on a invité mon retour à l'Espignol là. L'Espignol là, par l'autre que partage, par l'autre que remet, il
pas l'autre que solidarité, ni pas l'autre tout que vivre ensemble. Nous croyons en Haïti, je veux dire, le vivre ensemble est fragile et nous croyons que nous ne pouvons pas arriver trop loin. Si nous ne sommes pas d'accord, aller au-delà de différences, nous d'accord discuter, d'accord parler. Pour le bien commun. C'est Haïti, mal. C'est un bien commun. Nous quand vous tombez à tout, vous bien dit, d'accord parler, dialogue. Faut nous accepter de dialoguer. Si nous ne pas dialoguer, nous ne pouvons pas garantir dans demain. C'est parler pour nous parler, pour nous make sure que petit nous avons de nous. C'est ça. Voilà, c'est tout ça l'esprit de Noël. Même à profiter des populations, joyeux Noël. Et avant de joyeux Noël, on a dit bonne fête parce que les 40 ans de la TNH, c'est les 40 ans de la population. La TNH, c'est un cadeau de Noël du président Jacques Duvalier à la population. Je dis à la, peut-être que nous allons avoir un beau cadeau de Noël qui coûte 1 500 000 dollars. Mais nous sommes capables de la population entendre et gérer tête, l'amour, le moins important, pour le pays, sagesse. Merci à tout le monde. Joyeux Noël, bonne année. Encore une fois, bonne fête à tout personnel de Télévision Nationale d'Haïti, à sortir notre personnel de soutien, passer dans différents services, différentes directions qui gagnaient en tant Télévision Nationale d'Haïti jusqu'à ce que nous arrivions dans la direction générale là. Merci à nous toutes qui contribuaient dans la Télévision Nationale d'Haïti. Ça y est, jeudi, à 40 ans après, parce que nous méritons pour que nous fêtions, parce que nous, c'est des serviteurs publics. Nous gagnons une mission pour que nous continuions à servir la population haïtienne. Encore une fois, bonne fête à nous toutes, bonne fête à la population haïtienne. Merci Serginho, merci DG Gamal Jules Augustin qui t'a participé ensemble avec nous dans le marathon émission spéciale ça. Merci à toute équipe technique qui t'a rendu l'émission ça possible. Merci à réalisateur Louyo, Kems Joachim, Jasmine Lansomé, merci à Junior, merci à Richie, merci à Wilson, merci à Harry, autant de monde qui t'a participé dans la réalisation émission spéciale ça en soi. Merci tout le monde, vous êtes branché Télévision l'État pour suivre cette programmation. Bye tout le monde, joyeux Noël. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.